Salam alaikum, bonsoir à tout le monde. Le canter de demain, jeudi 21 juillet, sera à Paris-Longchamp. Sur une course, sur la sixième course. Le prix de la Vénus de Paris. Référence plus 20, à distance 1850, grand et petite piste. Corde à droite, terrain bon et souple. Et seront 14 au départ de ce quintet avec les 6 bons grands favoris donnés pour vous. Ce quintet se déroulera à 19h15, heure marocaine, 20h15, heure France. Alors, pour préciser bien de ce quintet, c'est un quintet des jockeys féminins, femelles, aussi des chevaux femelles. Alors, c'est une surprise de ce quintet qui se déroulera seulement les femelles. C'est un quintet très ouvert et peut arriver certains surprises. Attention. Alors, les 6 bons grands favoris donnés pour vous. Le 1, Moline, avec 9 contre 1 à la cote. Le 4, Mademoiselle Vélon, 13 contre 1. Le 5, Mademoiselle Nico, 11 contre 1. Le 6, Mademoiselle Paco, 8 contre 1. Le 10, Valstar, 6 contre 1. Et enfin, le 14, Mademoiselle Bézlière, avec 8 contre 1 à la cote. Les grands favoris donnés à la fois, ce sont le 1-10, 5 fois, le 6-14, une fois. Alors que le parcours sera il faut une bonne corde pour aller loin. Piste en gazon, la ligne d'arrivée à 600 mètres. Attention pour les apprentissages. Demain, il n'y a pas de courrier, il y a seulement un petit flash pour vous que je vous réclame que le 10, c'est une femelle enceinte qui a déjà précisé dans un autre quintet et elle a fini 5e sur le numéro 14, si vous vous rappelez. Demain, Inch'Allah, cette femelle qui est le 10, Astrologia, va être parmi les favoris. Alors attention à elle, elle peut finir au podium. Pour la sélection de 2 chevaux, il y a un 6, le tuyau le 10, de belle chance, il y a le 14, 4, 5, 7 et 8. Et au feu rouge où les troubles faits qui peuvent créer une grosse surprise, le 2, le 9, le 12 et le 13. Aussi des belles ancêtres comme le 7, le 8, le 11. C'est un quintet des femelles, spécialement des femelles. Alors, profitez bien. Pourquoi pas gagner un bon rapport à vos poches. Longchamp, réunion 1, 6e course. Un favori caché, 5. Les outsiders, 7, 8, 11. Les tocards, 2, 9 et 13. Alors, au poids chargé, on voit le 1 plus 3,5 kg, le 2 plus 2 kg, le 3 plus 1 kg. Au poids baissé, on trouve 3 chevaux qui ont moins 1 kg. C'est le cas de 9, 11, 13. Aussi que le 4 et le 12, moins 2 kg. Attention à ces chevaux-là.
Attention, hier, si vous rappelez hier, avant hier, c'est pas avant hier, le mardi, le quintet était dans les poids chargés et les poids baissés. Alors, profitez bien de vos calculs et de vos bases. Première base donnée pour vous, numéro 6. La deuxième base, le 1. Possible, un favori, d'être parmi au podium, c'est le cas du numéro 10 qui est enceinte. Astrologia, les astres ont donné 8, 6, 7. Entraîneur en forme, 1, 6. Jockey en forme, 1, 2. Astrologia, le numéro 10 est enceinte. Je réclame ça devant vous. Rappelez bien. Alors, on passe à la au classement de ce quintet avec les 6 bons grands favoris donnés en haut. Le 6, le 1, le 10, le 14, le 4, le 5. Formez vos bases parmi ces 6 chevaux pour y arriver, de former une bonne base. Vous ajoutez un outsider ou un tocard, ça dépend de votre argent de poche. Les outsiders 7, 8, 11, les tocards 2, 9, 12, les non-cités 3, 13. Alors, je vous retrouve demain, Inch'Allah, pour le quintet, pour vous donner mes infos sur le quintet de vendredi, Inch'Allah. Je vous laisse, bonne soirée et à bientôt.